Thank you.
Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. La grosse ambiance, vous l'aurez à la fin de la convention à l'Esplanade. On va bombarder jusqu'à 5 heures du matin. Sans faute, mesdames, messieurs. Excellence, monsieur le président de la République, nous sommes à la convention du RPG Arc-en-Ciel, un parti que vous avez créé dans la douleur, que vous avez fait vivre malgré toutes les difficultés, contre vents et marées, que vous avez amené au pouvoir en 2010, qui aujourd'hui organise sa convention. Les artistes l'ont dit, les femmes l'ont dit. 2015, pas de deuxième tour. Un coup KO. Zangé, mesdames, messieurs. M'applaudissez. Oh, you're a fella. Let's get it. This is a good one.
informatique et la vie. Docteur Kané, c'est le cas. Merci à Zangé. Nous passons maintenant à la partie des différentes déclarations et discours. J'appelle M. Souleymane Traoré Condé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres et leaders des partis alliés au RPG Arc-en-Ciel, que je vous demande de saluer. Mesdames et Messieurs les représentants des sections du RPG Arc-en-Ciel, des organismes nationaux, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, la convention du RPG est une fête. Et nous sommes au troisième jour de cette intense et belle fête pour désigner comme en 2010 notre champion pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La direction nationale du RPG a souhaité cette année que la convention nationale se passe entre nous ici. C'est pour cette raison que, contrairement à 2010, nous n'avons pas d'invités internationaux, comme vous pouvez le constater. Mais comme vous le savez, notre parti et son leader ont des amis. En 2010, nous avions ici eu la chance d'avoir parmi nos invités deux personnalités panafricaines comme le président de la République. Je voudrais citer le président Ibrahim Boubacar Keïta et le président Mario Youssoufou qui, juste après notre convention, juste après notre élection, sont devenus eux aussi démocratiquement président des républiques sœurs du Mali et du Niger. Comme quoi, la convention du RPG porte toujours chance. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les 953 membres statutaires attendus de cette convention, 936 délégués sont effectivement présents dans cette salle et je vous prie de vous applaudir vous-même, Mesdames et Messieurs. Soit 98,22% de présence effective.
Au terme de la physionomie de cette salle, le plus jeune délégué de la Convention se trouve être M. Almami Samori Kourouma, 26 ans, secrétaire à l'organisation de la section RPG Arc-en-Ciel de Koulé à Zérekoré. Le doyen d'âge est El Hadj Ibrahima Touré, 83 ans, membre du bureau politique national du parti, que je vous prie d'applaudir. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, au terme de 3 jours de travaux de cette convention, des commissions de travail ont été constituées, des résolutions ont été adoptées, des motions ont été adoptées qui vous seront présentées tout à l'heure. C'est pourquoi je vous prie de recevoir pour la lecture de la résolution générale de cette convention Monsieur le ministre Bantamasso, membre du bureau politique national. Wassa wassa! Vive l'RPG Arc-en-Ciel! Criez fort si vous êtes content de recevoir le président. Je vais entendre le palais vibrer. Vive le président Alpha Condé! Je vous remercie. Mesdames et messieurs les représentants des institutions républicaines, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, mesdames et messieurs les représentants des partis alliés, mesdames et messieurs, tout protocole confondu, mesdames et messieurs, distingués invités, camarades, militantes, militants, sympathisants et représentants du RPG Arc-en-Ciel. En prélude à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, en sa réunion ordinaire du jeudi 30 juin 2015, à son quartier général 6 Minière, commune de Dixine, a décidé, comme il lui revient de droit, de convoquer conformément à ses statuts et règlements intérieurs ses militants et responsables à tous les niveaux à une convention nationale afin de désigner le candidat de son parti. À la faveur des travaux des présentes assises, il a été essentiellement question d'évaluer les actions menées par chaque section dans sa sphère géopolitique. Au cours des communications, plusieurs difficultés rencontrées ont été signalées dans l'accomplissement des tâches. Ensuite, des pertinentes propositions ont été faites. Cela en vue de conférer au parti dans sa dynamique électorale. Changement.
Merci à Zangé. Nous passons maintenant à la partie des différentes déclarations et discours. J'appelle M. Souleymane Traoré Condé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres et leaders des partis alliés au RPG Arc-en-Ciel, que je vous demande de saluer. Mesdames et Messieurs les représentants des sections du RPG Arc-en-Ciel, des organismes nationaux, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, la convention du RPG est une fête. Et nous sommes au troisième. Ne
Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. La grosse ambiance, vous l'aurez à la fin de la convention à l'Esplanade. On va bombarder jusqu'à 5 heures du matin. Sans faute, mesdames, messieurs. Excellences, monsieur le président de la République, nous sommes à la convention du RPG Arc-en-Ciel, un parti que vous avez créé dans la douleur, que vous avez fait vivre malgré toutes les difficultés, contre vents et marées, que vous avez amené au pouvoir en 2010, qui aujourd'hui organise sa convention. Les artistes l'ont dit, les femmes l'ont dit. 2015, pas de deuxième tour. Un coup KO. Zangue, mesdames, messieurs. M'applaudissez.
De cette intense et belle fête pour désigner comme en 2010 notre champion pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La direction nationale du RPG a souhaité cette année que la convention nationale se passe entre nous ici. C'est pour cette raison que, contrairement à 2010, nous n'avons pas d'invités internationaux, comme vous pouvez le constater. Mais comme vous le savez, notre parti et son leader ont des amis. En 2010, nous avions ici eu la chance d'avoir parmi nos invités deux personnalités panafricaines, comme le président de la République. Je voudrais citer le président Ibrahim Boubacar Keïta et le président Mario Youssoufou qui, juste après notre convention, juste après notre élection, sont devenus eux aussi démocratiquement présidents des républiques sœurs du Mali et du Niger. Comme quoi, la convention du RPG porte toujours chance. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les 953 membres statutaires attendus de cette convention, 936 délégués sont effectivement présents dans cette salle et je vous prie de vous applaudir vous-même, Mesdames et Messieurs. Soit 98,22% de présence effective. Au terme de la physionomie de cette salle, le plus jeune délégué de la convention se trouve être M. Almami Samori Kourouma, 26 ans, secrétaire à l'organisation de la section RPG arc-en-ciel de Koulé à Zérékoré. Le doyen d'âge est Elhadj Ibrahim Touré, 83 ans, membre du bureau politique national du parti, que je vous prie d'applaudir. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, au terme de 3 jours de travaux de cette convention, des commissions de travail ont été constituées. Des résolutions ont été adoptées, des motions ont été adoptées qui vous seront présentées tout à l'heure. C'est pourquoi je vous prie de recevoir pour la lecture de la résolution générale de cette convention, Monsieur le ministre Bantama.